Ah, est-ce que je prépare un dauphin? Je suis encore jeune. Vous voyez, des fois quand je regarde Gaëtan, je dis ce garçon. Il a une graine de bouffée. Mais c'est très important. C'est pas. Moi je crois que ce n'est pas le chef qui détermine, qui choisit le dauphin. Le dauphin. Et tu le perds. Et il travaille et tout le monde le voit. Et celui-là, c'est lui qui va conduire le parti. Après. Moi je n'ai pas. J'ai posé un tocard, tout le monde va le dire. Il a imposé un tocard. Et je n'ai aucune envie d'imposer quelqu'un. Je n'ai jamais été le dauphin de quelqu'un. Voilà. J'ai toujours dit que. On ne s'impose pas son travail, on ne s'impose pas parce que quelqu'un veut vous imposer. Est-ce qu'on prépare quelqu'un au cas où. Si vous préparez quelqu'un, ça veut dire que vous-même vous abdiquez. Non. On lutte. Mais moi, je me souviens, j'étais dans un autre parti. Quand. Monsieur Akitani n'a pas pu aller, monsieur Gilles-Christ n'a pas pu aller aux élections. Eh, monsieur Akitani était là, on n'a jamais dit ça à quelqu'un. On n'a jamais dit on prépare un dauphin, on prépare quand même un autre candidat. Mais c'est affaiblir la lutte que vous menez en disant nous avons un plan. Bon, si on vous contraint, est-ce que votre plan B est aussi efficace que le plan A? Si on vous contraint à mettre en œuvre un plan B. Ouais, donc, et toutes ces choses, je sais que quand on est à l'extérieur, on est un peu impatient de connaître beaucoup de choses, mais nous, on ne va pas dire plus que ce que nous devons dire. Faites pas confiance. Je dirai ce que vous devez savoir, mais je ne dirai pas plus. Mais c'est normal. C'est normal.